Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high-five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, personne. Sur le parquet, personne. Prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez tous les bienvenus pour cette soirée de gala. Ici Alioub pour le grand show de sélection du match des stars. Match de gala qui opposera comme chaque année les 10 meilleurs joueurs de la basket. La première équipe est déjà constituée et maintenant nous allons former la deuxième. Le choix va se faire parmi le florilège de stars qui compose les équipes de la World Basket. Allez Mia, maintenant c'est à mon tour. Allez-y, photographiez une vraie star. Oh, ça fait mal aux yeux tous ces flashs. Léo, assieds-toi et reste tranquille. T'es stress, Rudy, cool. Je suis sûre que tu seras sélectionné. C'est toi le meilleur de l'équipe. Pas sûr. Mais si, t'es le meilleur. Après moi. Le meilleur monteur, ouais. Pour la seconde équipe, j'appelle l'Icipé des Amazones. Majib des Dubai Wonders. Kumar des Masala. Et enfin, pour nos deux derniers joueurs, attention, suspense, Rudy des High Five et Lucky des Black Pirates. Je dois jouer avec Lucky. Être dans la même équipe que Lucky, quelle poisse. Ça va comme tu veux, Rudy? Bof, non, pas trop. Tu sais ce qu'est la plus grande qualité pour un joueur? Avoir une bonne paire de baskets? Non, c'est l'adaptation. L'adaptation au terrain, aux joueurs. Si tu réussis à t'adapter à n'importe quelle situation, tu seras un champion. Ok, coach. Mais là, je dois jouer avec un pirate. Et on sait tous de quoi ils sont capables. Un jeu basé sur la tricherie, les coups bas, la violence et l'intimidation. Comment tu veux que je m'entende avec Lucky sur un terrain, Tony? Non, je suis désolé. Je crois que je vais laisser tomber. Dommage, j'avais un de mes amis recruteurs qui était de passage à San Antonio. Quoi? Un recruteur? Non mais, si t'es pas motivé pour le match, on laisse tomber. Non, non, Tony, attends! Moi, j'ai dit ça, mais non, pas du tout. Vas-y, explique. Ok, je voulais demander à mon ami de venir voir le match pour savoir si t'avais des chances d'intégrer un des meilleurs centres d'entraînement au monde. Un centre? Quel centre? Disons que c'est le centre de la Ligue internationale de basket. Non! Mais c'est la chance de ma vie! Bien, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Jouer! Et gagner! Exactement! Alors, j'ai regardé les statistiques et tu as la meilleure équipe du match des stars. Je sais, il ne reste plus qu'à jouer collectif. Arrête, je suis pas d'accord. Attends, il faut qu'on fasse la vie. Bonne chance. Dans tes rêves, Licipé, c'est moi le capitaine. Tu peux toujours courir, Magic Majid. Cool, princesse. On peut en discuter autour d'une danse. Wouh! N'importe quoi. Il n'y a qu'un meneur ici, et c'est moi. Temps mort! Ok, personne ne s'entend dans cette équipe. Ça saute aux yeux, pas vrai? Bah moi, c'est pareil, je suis pas super pote avec Lucky. Ah ouais, et bah c'est réciproque, bonhomme. Mais le match des stars a lieu demain, alors on n'est pas obligé de s'apprécier. Faut juste qu'on se supporte le temps d'un match. J'ai pas de leçons à recevoir et surtout pas d'un high five, alors tes conseils, tu te les gardes. C'est vrai, quoi. T'es pas notre coach. C'est clair, tu te prends pour qui?
Le meilleur d'entre nous, peut-être? Tiens, attrape. Moi, je rentre. Ah, moi aussi. Pareil. Moi aussi. Salut. Mais non, attendez. Et l'entraînement? Sans nous. Entraîne-toi tout seul si t'es le meilleur. On va se faire écraser. T'as qu'à leur faire des cadeaux. Par exemple, une paire de baskets super classe. Avec moi, ça marche toujours. Mais non, montre-toi ferme et autoritaire. C'est comme ça que t'y arriveras. Au contraire, sois plus malin que... Des cadeaux. La manière forte. La manière douce. Et toi, Léo, tu penses que je devrais faire quoi? Abandonne, t'es fichu. Abandonner. J'abandonne le match. Je quitte l'équipe. On n'est pas du même niveau. Répète-nous ça, le high five. De quel niveau tu parles? Vas-y, on est curieux. Non mais sérieusement, je peux pas jouer avec vous. Il y aurait une trop grande différence. De force et puis de vitesse surtout. Attends, tu vas où? Viens sur le terrain. On va voir qui est pas au niveau. Tout de suite. Il a réussi. Il m'a écouté. Tu plaisantes? Il l'a joué ferme et autoritaire. Il l'a joué intelligente, comme je lui avais dit. Moins de bruit, les high five. On voudrait regarder notre ami jouer et écraser votre Rudy. Kumar et moi contre vous trois. Tu vois, ça c'est notre niveau. Ouais. Ok, ça joue. Et sans s'embrouiller. Allez, Rudy, sur ta droite, allez, sur ta droite. Go, 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 vas-y, Rudy. Ils veulent la guerre, et eh ben ils vont la boire. Ouais, ouais. Go, 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 Rudy. Ouais, 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 Rudy, t'es le meilleur. Majid, mais passe. Pick and roll. Là, passe, dissipé. Dans tes rêves. Super, le dunk tout pourri. Toi, t'as qu'à la jouer moins perso. Je t'ai dit en pick and roll. Je reçois des ordres que des Amazones. Et c'est quoi ton jeu de sauvage? On est à la basse-cup ici, il y a des règles. Ça va, Kumar, j'ai jamais vu un jeu aussi plat. Mais ça recommence. Ouais, super, on est trop fort. C'était trop génial, on s'est super bien entraîné. Alors les gars, prêts pour demain? Ouais. Oula, moins fort Rudy. Bon, je voulais savoir si vous aviez un nom pour vos équipes. Eh ben, ce sera la Team Rock. Yes, solide comme un rock. Ok, c'est noté, la Team Rock. Et vous les gars? La Champion Team. Waouh, super original Kumar. La Wonder Team, non mieux, la Magic Team. Et pourquoi pas la Magic Team? Gros naze. Tu préfères peut-être la Team Salut et un de ces quatre? Bon, on n'a qu'à dire la Team KO. Ça fait mal au cœur. Surtout raté si près du panier. Il prend ça trop au sérieux. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas bien compris, vous pouvez répéter? Mais c'est quoi ça? C'est pour crier plus fort que les pirates. Eh mais c'est une super idée. Et on pourrait aussi faire une banderole top flashy. Y a rien à faire, t'as vu l'entraînement? On a le niveau, mais pas le mental.
C'est pas grave, c'est juste un match de gala, non? Ben non, justement, Tony, il a proposé à un ami recruteur de venir voir le match. Waouh, c'est la chance de ta vie! C'est aussi ce que je me suis dit. En gros, c'est toute ma carrière que je joue à ce match. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment gagné. Tu sais ce qu'on dit, la partie n'est pas encore perdue tant qu'elle n'est pas finie. Ce qui veut dire? Suis-moi. Allez, me fais pas attendre, j'ai quelque chose à te montrer. Je suis pas trop d'humeur à regarder la télé. J'ai un programme qui devrait t'intéresser. Hé, hey, mais t'as filmé l'entraînement? Regarde, Lucky joue en force comme avec ses pirates. Majid, il est trop perso. Lissipé, elle ne veut pas recevoir d'ordre. Et Kumar, il est perdu sans son équipe. Ils jouent tous sans se préoccuper des autres. L'adaptation, c'est ça la clé. Trouve un moyen d'utiliser le style de chacun pour qu'ils jouent ensemble. Et tu gagneras le match. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu vas pas t'entraîner avec les autres avant le match? Non, je n'arrive à rien avec ces nuls. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? On a reçu un texto, comme toi. Qui nous invitait à jouer dans une pub. Pour la nouvelle paire de baskets Air Fresh One. Air Fresh bidon, ouais. C'est moi qui vous ai envoyé ce texto. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Rudy? Mais c'est quoi ce plan? Désolé, mais je devais trouver un moyen de vous réunir. J'y crois pas. Tu m'as fait perdre mon temps. Non. On ne sortira d'ici que lorsqu'on arrivera à jouer ensemble. En s'adaptant au jeu de l'autre. S'adapter à des nuls pareils? Mais tu rêves, mon petit Rudy. Moi, je m'en vais. Rudy, ouvre! Quoi? J'ai pas fermé? Bougez de là, je vais vous l'ouvrir, moi, cette porte. Regardez ce qu'une fille est capable de faire. Ok, ça faisait pas partie de mon plan. Alors, ça rend comment? On ne verra que nous. Il fait ça, on n'entendra que nous. En route pour le grand match alors. Ah, ça passe pas. Oh, ça s'ouvre toujours pas. Ohé, y a quelqu'un? C'est pas vrai. Tout ça, c'est à cause de toi et de ton plan pourri. Ouais, Lucky a raison. Ben, c'est pas mal, on fait des progrès. Vous commencez à être d'accord sur quelque chose. On est d'accord qu'on va rater le match à cause de toi. Non, on peut encore s'en sortir. Comment? Tous ensemble, comme une équipe. Et pas chacun dans son coin. Arrête de nous faire la leçon. Moi, j'y retourne dans mon coin. Et je vais trouver la sortie. Et vous? Vous me suivez? Bienvenue à tous au grand match des stars! Si on tentait la ventilation, hein? Bonne idée! C'est super dur! Faut manger des épinards, les gars! Ok, j'y vais! Minute, je viens avec toi. T'es capable de te perdre. Thank you.
Salut les gars, on est libre. Ouais, bien joué vous deux. Alors, c'est pas un travail d'équipe ça? Faut avouer que c'était une bonne idée, Lissipé. Merci, sans vos biscottos, on n'y serait pas arrivé. Bravo à vous. Ok, super, mais si on allait décongeler au soleil? Et maintenant, je crois qu'on a un match à jouer. Ouais. L'adaptation, c'est ça la clé. Et accueillir notre première équipe, la Team Rock. Rock des Sichuan Shaolin, Laika des Cosmos, Tatou des Luchadores, Anepu des Champions d'Anubis et Samrou des Reggae Kings, qui affronteront la Team Chaos. Rudy des High Five, Kumar des Bollywood Masala, Majid des Dubai Wonders, Lissipé des Amazones et Lucky Fox des Black Pirates. Allez, Lucky! Il va y avoir du sport et pas que sur le terrain. Ça, c'est du basket. Wouhou ! T'es le meilleur, Rudy ! Collectif, la Team KO. On lâche rien et on reste concentré. Dès que vous pouvez, tirer à 3 points. On mène au score, bravo. Et cette première mi-temps se conclut sur un score de 32 à 28 pour la Team KO. On a brisé la glace. Mais c'est génial! Le recruteur va être super impressionné. Oh. Bah quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Lucky a entendu ton histoire de recruteur. Ah, attendez, je peux tout vous expliquer. Expliquer quoi? Que tu t'es bien moqué de nous? Tu voulais simplement nous faire jouer ensemble pour être repéré par ton recruteur. Tu nous as menti, c'était purement égoïste. Mais non, c'était déjà assez compliqué de vous faire jouer ensemble. Te fatigue pas, on veut plus de toi dans l'équipe. Quoi? On a tous voté, t'es exclu. Salut. Salut. Oh. Salut. Oh. Et c'est reparti pour le match des stars. Tous les joueurs sur le terrain pour la deuxième mi-temps. C'est moi qui vous ai enfermé dans la chambre froide. C'était le seul moyen de former une équipe. J'y crois pas. Tu nous as menti sur toute la ligne. Je joue ma vie, ma carrière. Alors je vais pas vous lâcher. Parce qu'on veut tous une seule chose. Gagner. On est là pour ça. Et il y a qu'un moyen pour y arriver. Être une équipe. Mais si vous préférez vous ridiculiser devant toute la World Bass Cup... Oups, mais où est notre Team KO? A-t-elle soudain eu peur de la terrible Team Rock? Non, la voici! La Team KO est au rendez-vous! Ouais! Allez, Rudy! Allez, Lucky! Go! Ouais,
Ils se sont motivés à la mi-temps, on dirait. C'est pas gagné. Après une fulgurante remontée, c'est la Team Rocket qui remporte le match des stars. C'était la chance de ma vie. Bravo Rudy, quel match, je suis impressionné. Hein? Mais on a perdu. Bien sûr, mais tu n'étais pas dans ton équipe. Tu as réussi à t'adapter, et puis ce n'est pas tout. On s'inquiétait de ne pas te voir revenir à la mi-temps. Alors, on est descendu dans les vestiaires, et ce qu'on a entendu nous a plu. Parce qu'on veut tous une seule chose. Tu as réussi à souder ton équipe, et ça, c'est ce qui fait un champion. Mais alors, j'ai encore mes chances d'être recruté? Je dirais, de grandes chances. Ouais. Gagner notre match à nous, celui des supporters. Ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. On va se le disputer sur le terrain. Ça joue.